Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo haul mode modeste. Alors les filles, on va parler du magasin H&M. Je vous préviens, j'ai acheté tout ça à Singapour, donc je ne sais pas en France si vous allez trouver tous ces articles, mais c'est vraiment pour vous donner encore une fois des idées, de l'inspiration et pour vous montrer que finalement on peut trouver des vêtements modestes dans les magasins habituels, on va dire traditionnels. Alors les filles, j'ai acheté pas mal de choses et je me suis dit bah écoutez, tant qu'à faire on va partager ça. Et c'est beaucoup d'articles. Alors donc les filles, je ne sais pas H&M. Donc vous me direz les filles si H&M en France, s'il y a ces vêtements ou pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment tous les vêtements que j'ai pris, c'est de la gamme... Ouais. Donc les filles dernières... Donc les filles, en ce moment à Singapour, il y a pas mal de soldes, hein, si jamais vous passez par ici. Et alors j'ai choisi pas mal de vêtements, plutôt ben on est en été, hein, de toute façon c'est l'été toute l'année à Singapour, mais étant donné que c'est l'été, ben ça tombe bien aussi pour vous. Et donc je vais vous montrer que finalement dans les magasins comme Zara, Mango, là ici en l'occurrence c'est H&M, vous pouvez trouver des pièces modestes, voilà, que vous pouvez tout simplement porter. Alors je vais vous montrer les pièces et vous dire un peu, ben écoutez, ce que j'en pense. On va commencer par cette abaya. Enfin, c'est pas une abaya. Oui, j'ai inventé. On va commencer avec cette robe. Ils ont appelé ça un caftan. Et effectivement, c'est très joli. Vous voyez, c'est une longue robe comme ceci. Et ça fait un peu genre, vous voyez les robes orientales, maghrébines, je sais pas. Ça fait un peu genre les robes un peu abaya, vous voyez ce style-là. Donc il y a une petite chaînette ici pour accrocher. C'est hyper long. Moi, c'est le genre de vêtements que j'aime bien porter par exemple à la plage ou même lorsqu'il fait chaud. Étant donné que les manches sont un tout petit peu courtes, je mets un sous-pull en dessous. Et voilà. Alors, on va continuer avec une autre pièce là que j'ai beaucoup aimée. C'est une veste, un blazer. On va commencer avec cette veste que j'ai trouvée juste trop belle, voyez. Elle est, c'est la collection d'avant, puisque là il y a une nouvelle collection, donc c'est la collection, la dernière collection. Donc cette veste que j'ai trouvée juste trop belle, et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est longue. Elle arrive en dessous des fesses, donc du coup, bah écoutez, je trouve que c'est génial si vous mettez pour mettre avec des pantalons, des palazzos. C'est un jaune vraiment très pâle, bon ça ressort un peu clair, c'est très pâle. Elle existe aussi en vert kaki, en marron foncé, donc moi j'ai choisi jaune. On reste dans le jaune, avec cette tunique que j'ai aussi trouvée trop belle. Pour le coup, elle est transparente, mais moi c'est le genre de choses que je porte avec un pantalon blanc, un sous-pull blanc. Donc c'est une longue tunique et j'ai trop aimé, vous voyez les petits pompons, les détails, ça fait très été, ça fait très j'aime bien, j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve quand même que bon, dommage qu'il n'y a pas de doublure, mais en mettant, comme je vous disais, un sous-pull, en tout cas pour ma part, avec un petit pantalon en dessous, je trouve que ça fait très beau. Alors ici les filles, j'ai craqué. J'espère vraiment que ces collections sont disponibles, hein, si jamais il y a une pièce qui vous plaît. J'ai craqué sur cette robe en dentelle qui est juste, on aime, on n'aime pas, mais c'est un genre de vert fluo. Il y a une doublure à l'intérieur, sauf que la doublure, il n'y a pas de doublure au niveau des manches, mais encore une fois, comme je vous disais, j'utilise toujours des sous-pulls. Moi, j'ai des sous-pulls de chez Uniqlo, hyper léger, c'est limite une seconde peau, en blanc, en noir et en nude. Donc du coup, voilà, moi c'est le genre de choses que j'utilise, je vais mettre le nude avec. Et donc c'est une longue robe comme ceci, elle est juste trop canon. Et ce qui est trop canon, les filles, c'est que tadaaa, j'ai exactement, pas le même modèle, hein, mais il y en a deux dedans, c'est pour ça que c'est hyper épais. Mais j'ai exactement la même pour les filles, puisque mes filles adorent même mettre les mêmes vêtements. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, withhasnabi, pour voir les looks, puisque sur Instagram, je prends en général les photos des looks. J'essaie de proposer un contenu un peu différent de YouTube. Alors, une autre robe sur laquelle j'ai flashé, une tunique, je sais pas pourquoi ça me fait penser à l'Inde, ça n'a rien à voir, hein, mais toute brodée comme ça. Vraiment toute brodée, encore une fois, avec un petit pompon. Hyper jolie, franchement elle est hyper jolie, vraiment trop belle. Ici on a deux petits boutons, pour le coup là elle est doublée, il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit. Et talin, 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 il y avait exactement les mêmes pour les filles. Donc celle-ci je l'ai achetée, elle n'était pas soldée, et quand j'y suis retournée dernièrement, c'était soldé, en sachant que c'était le même prix pour la robe fille et la robe maman entre guillemets. Donc du coup là j'étais hyper contente lorsque j'ai trouvé ces robes là. J'en ai pris deux et voilà. Donc encore une fois, ce type de longue tunique, je mets ça avec un pantalon de préférence, vous voyez, droit, vraiment droit, parce que la coupe elle est quand même assez évasée. Et voilà. Alors les filles, on va
passer au rose fuchsia. Cette robe rose fuchsia que j'ai essayée et que j'ai trop aimée. Elle est hyper simple, le tissu est hyper fluide. Le seul truc, c'est que c'est les manches arrivent ici. Mais bon, comme je vous disais encore une fois, pour moi, je mets un... Donc, regardez comment elle est jolie. Franchement, elle est toute simple. Elle est un peu transparente, hein. Vous voyez le cintre en dessous. Mais je l'ai trouvée juste trop belle et tellement fluide. Et pour mes filles, j'ai pris en fait le même style, mais comme ça. Vous voyez, moi personnellement, encore une fois, comme je vous le disais, j'adore quand je trouve des vêtements maman-fille. J'aime bien prendre parce que les filles, elles sont juste super contentes d'avoir la même chose que maman. Donc du coup, elles étaient trop contentes. Alors, on va continuer avec une robe. Lorsque je l'ai portée, on m'a complimenté je ne sais pas combien de fois. Elle est canon. C'est pas une robe, c'est une tunique. Une tunique, le tissu, les filles, c'est une tuerie. Je ne sais pas c'est quoi comme tissu, ça doit être du coton, mais hyper léger, le tombé est super beau, elle est transparente. Je l'ai portée avec un, donc encore une fois, avec un sous-pull nude et un pantalon, un jean slim. Et franchement, elle est juste trop belle. Elle est canon, elle est hyper large, elle est... on se sent super bien dedans, super 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 bien. Et comme je vous disais, je l'ai mise à un anniversaire et tout le monde m'a dit: ah, viens d'où ta tunique, viens d'où ta tenue. Je dis H&M, voilà. Alors on va continuer avec ce haut ici. Donc c'est un haut kimono que j'ai aussi trouvé trop trop beau. Je pense que vous allez bien le voir, mais c'est un peu, vous voyez, ça brille un peu comme ça, avec des détails comme ça au niveau des manches. Hyper joli, franchement je le trouve trop beau. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi c'est le genre de couleurs, rien que les couleurs, moi il y a des couleurs qui me font voyager, c'est dingue, voilà. On va passer à quelque chose d'aussi coloré, c'est cette robe ici. Il y avait la tunique trop trop belle, franchement aussi trop belle, mais bon, je me suis dit entre la tunique et la robe, et finalement j'ai pris la robe. Vous voyez comment elle se présente, ça ne va pas à tout le monde, hein, ce type de coupe, mais moi je trouve ça juste canon, canon, canon. Donc une longue robe comme ça, vous voyez qu'elle est très ouverte, donc encore une fois je mets un sous-pull, et sinon au niveau de la longueur elle est nickel, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez, moi je la trouve juste trop belle, ça fait trop vacances, et voilà. Alors, vous savez que j'aime le vert kaki. Vous savez que j'aime le vert kaki. Cette tunique ici, je l'ai achetée il y a très longtemps. Franchement, je l'ai achetée il y a très longtemps. Ah, mais il manque la ceinture. Elle est où la ceinture? Ah ah, j'ai perdu la ceinture. Ok, je ne sais pas où elle est la ceinture, mais c'est une robe chemise vert kaki. Vert kaki toute simple, vous voyez. Hyper longue, vraiment hyper longue. Encore une fois, moi c'est le genre de tenue que j'aime porter, notamment lorsque je voyage, pas forcément, hein, mais en tout cas lorsque je voyage, j'aime bien avoir ce genre de tenue parce que c'est foncé, donc si on s'allie, ça va encore. Je me sens à l'aise, il y a les boutons si je dois allaiter, et voilà. Le seul truc qui m'embête un peu dans ce type de tissu, c'est que c'est à repasser, il faut repasser, donc ça c'est un peu plus embêtant. Alors les filles, ça ici, c'est un ensemble que j'ai trouvé juste aussi trop trop beau, donc vraiment genre pour les mariages, pour les occasions. Alors c'est un genre de kimono comme ça, il est un peu moins rose, ça sort pas très bien à la caméra, mais vous voyez, c'est un long kimono comme ça, super beau, vous voyez, vraiment trop trop beau, avec une jupe. La jupe par contre elle est mi-longue, donc moi je comptais porter ça avec des bottes, avec des petites bottes. Vous voyez, la robe elle arrive un petit peu au-dessus des... au niveau des chevilles, mais un peu haut quand même, hein. Et j'ai trouvé juste l'ensemble trop trop beau. Je sais pas, moi ça me donne envie d'aller au Japon. Ça me donne envie d'aller au Japon, voilà. Alors on continue les filles avec les hauts. Alors déjà j'ai pris ce haut ici, très simple, genre de haut. Regardez-moi les détails, le tissu il est super beau, mais regardez le détail des manches. Franchement, super joli. C'est le genre de haut que j'aime bien porter avec un palazzo, ou que j'aime bien porter avec une jupe. J'ai dans le même esprit pris ce haut hyper fluide, donc ça, vous voyez que c'est transparent, celui-ci n'est pas transparent du tout. Je mets ça avec un sous-pull en dessous, et encore une fois j'aime bien mettre ça avec un pantalon large ou avec une jupe, voilà. On arrive à la fin, et regardez-moi ce palazzo. Je vous ai fait une photo sur Instagram, et vous avez été nombreuses à me dire: oui, il vient d'où ton pantalon, il est trop beau, effectivement il est trop trop beau. C'est ce pantalon palazzo, voilà, qui se présente comme ceci. Il est juste aussi trop 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 beau. J'aime trop la couleur, la texture, hein. En fait la collection d'avant, je sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de vêtements avec de la texture comme ça dedans. Alors on arrive à la fin avec un pantalon classique, un classique de chez classique, un pantalon large taille haute noire. Hop là, donc ça c'est ce que j'aime bien porter, ce type de vêtements avec des choses ouvertes, quelque chose d'ouvert, et
Voilà. J'ai rien à dire, il est juste trop trop beau, il est tout simple. Voilà, il est tout simple, noir, large. Je pense que c'est quelque chose à avoir dans sa garde-robe. Voilà, écoutez, bon, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas modeste, mais je vais quand même vous montrer le sac que j'ai chopé. Hop là, que j'ai chopé aussi chez H&M dernièrement. Voilà, c'est ce petit sac qui se présente comme ceci, qui est tout 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 simple. Et je pensais que ça venait de chez H&M, mais un peu dans le même esprit, j'ai celui-ci en bois aussi qui vient de chez Mango. Voilà pour tous mes achats H&M. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire et vous me direz surtout si en France, je ne sais pas si on a les mêmes collections. Je pense que les collections sont quand même adaptées au pays, mais en tout cas pour cette fois-ci, j'ai trouvé franchement que c'est juste parfait pour pour quelqu'un qui veut s'habiller modestement ou pour une fille voilée. Et j'ai regardé la nouvelle collection là qu'ils ont mis dernièrement. On est un peu dans le même esprit, des longues tuniques, des longues robes, des longues jupes, des pantalons larges. Et franchement, ce qui est cool chez H&M, c'est que quand même les finitions sont belles. Voilà, c'est des choses, voilà, de jolies choses qui restent tendance. Et niveau prix, ça reste quand même accessible. En tout cas, je parle ici pour Singapour, ça reste quand même très accessible si je compare à Mango et surtout Zara ici à Singapour, c'est beaucoup beaucoup plus cher. Donc du coup, j'ai été ravie, ravie, ravie de trouver tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. Mais encore une fois, l'idée, ce n'est pas forcément que vous achetez la même chose que moi. D'ailleurs, il n'y a pas de lien. Je n'ai aucun lien à vous mettre en barre d'information. Mais l'idée, c'est vraiment de vous dire, bah, écoutez, sortez et quand vous avez besoin, ne vous dites pas, ah non, mais je ne peux pas trouver chez H&M ou chez Zara ou chez Mango ou chez Intel. Il me faut un magasin spécifique, voilà, modeste. Non, je pense que vous devez, voilà, il y a plein de pièces partout et que c'est à vous de trouver la manière pour porter ça modestement. Et voilà, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser en commentaire l'article que vous avez préféré et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.